מאמר י"ז עשרה בתחייתו. כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה, שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. Toute la culture des Goyim, la culture précédente que nous avons dans le monde, dans le partout, que ce soit à l'Occident, que ce soit à l'Orient, tout sort d'une base d'imagination, pas une base réelle, une base imaginaire. Kohamed Amedi Mayon. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה, שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובסיור מעשי. רגרדי לפחר, כתותן גרנדים היום. אריסטוט, אפי דרגל, כדי אין בל אום, כמו עבור אין אימאז' דן בל אום, כדי לקריטר. Alors, il a dit par exemple que le cou doit être minimum comme un poignet, la hauteur du cou. Il a dit, il a fait des choses. Les yeux doivent avoir telle et telle dimension, les oreilles telle et telle dimension par rapport, plusieurs choses comme ça. Et il a fait de ça hein, une beauté. On voit que ce qui était beau à l'époque n'est pas beau aujourd'hui. Par exemple, un des exemples simples qu'on peut voir. La Gemara, elle dit qu'à l'époque de la Gemara, hein, les filles attachaient le cou avec des grosses ceintures en cuir pour avoir un double menton, pour paraître forte. C'était la beauté, il fallait montrer. Aujourd'hui, tout à fait le contraire. Les gens, ils sont en point d'anorexie pour devenir... Tout, par exemple, quand ça, c'est dans les choses... basse, dans les petits, au petit niveau, c'est-à-dire de voir un bel homme, pas un bel homme. Toutes les choses dépendent d'un dimayon. Une musique n'est plus une musique, c'est une tendance d'une génération. Si tu faisais entendre quelqu'un il y a 60 ans, le rock, le pop, le... tu te dis c'est quoi ce mélange de casseroles et de... Tu ne comprends rien du tout. Non. Est-ce qu'il y a dedans un bien, une beauté absolue, il y a quelque chose, il y a une idée derrière? Alors évidemment, on trouve l'idée dans l'endroit même, dans la journée, dans l'année même, dans le moment, mais on ne peut pas expliquer, on ne peut pas se baser et dire oui, il y a quelque chose là-dedans, la preuve, que dans 50 ans, ça n'existera plus. Donc c'est une sorte d'imagination, c'est pas du réel, parce que du réel c'est fort, c'est costaud, ça tient. C'est le même argument qui tient toujours. Ça ne tient pas. Et ça change de génération en génération. Donc la culture de l'homme, par rapport à son habit, à sa façon de se comporter, son modèle de vie, regardez rien que la politesse de l'époque. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui va se comporter, qui va parler, comme quand on parlait, par exemple, en France, il y a 150 ans, on va croire qu'il est en train de jouer une pièce de théâtre. Il va parler avec tous les gestes, et c'était l'habitude de tout le monde. Où c'est? C'est trop beau. Donc toute la culture vient d'un dimayon, une grande imagination. Cette imagination elle est très forte, très très puissante. Elle arrive à bouleverser l'homme, à le faire rentrer tellement dans l'idée qu'il est sûr que c'est que ça. Il est prêt de mourir pour lutter pour ce chemin. Combien de guerres qui ont été faits pour ces choses. Maintenant. Olech ou mishtachlev koach hamedame. Ce dimayon, cette imagination, elle devient de plus en plus
avec des finesses, avec des détails, et se développe dans la pensée de l'homme. Veimo, mishtachlelim amadaim, amaasim, veanisyonim. Selon ça, l'homme essaye d'arranger tout ce qu'il voit autour de lui dans le monde, doit aller dans cette idée. C'est pour ça que même les recherches, elles changent de génération en génération. Il y a un moment, il y a 50 ans par exemple, on donnait la cigarette pour quelqu'un qui était nerveux, pour quelqu'un qui est... Aujourd'hui, c'est devenu complètement le contraire. Les choses qui changent, les choses qui étaient, qu'on pensait que c'était dangereux pour la santé, changent avec le temps. À l'époque, on n'appréciait pas quelqu'un qui dormait beaucoup. On disait que quand quelqu'un dort, à tel point la Gemara a dit que quand tu dors, c'est un 60e de la mort. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te disent ? Pour justifier notre comportement, aujourd'hui on dit que celui qui ne dort pas beaucoup, ça lui rapproche la mort. Ainsi, dans toutes les études, tous les 20 ans, les 30 ans, ils changent. Qu'est-ce qui amène à ça que ça change ? Pourquoi il y a 30 ans, on est arrivé à telle conséquence ? Parce qu'il nous manquait quelques données ? Et aujourd'hui, on change la conséquence. Et demain, ça va rechanger, ça va revenir comme l'idée qui était avant. Parce que l'homme veut découvrir ce qu'il veut, où il se trouve. Où je suis, je veux essayer de montrer que mon modèle de vie, c'est le meilleur pour pouvoir bien vivre. Pour pouvoir passer ma vie de la meilleure façon que je peux passer ma vie. Donc j'essaie de trouver, moi je me suis développé une idée, j'essaie de coller, de voir partout mon idée, où elle se trouve. C'est-à-dire que l'imagination peut même influencer la science. La science, l'étude de la science de l'homme, la façon de Alpi Aliato, Shel Koach Hamedame, Utfisato et Achaim, Mistalek Haor Asichli. Plus qu'il avance dans ça, dans ce Koach Hamedame, dans ce Dimion, et dans ce regard de la vie, Mistalek Haor Asichli, le Sechel s'en va. Le Sechel, c'est extraordinaire. C'est quoi le Sechel? Le Sechel, c'est le Yetzer HaTov. La Gemara a dit, sur le pasuk Ve'ahavta et Hashem Elohecha, Bechol Levavecha, Ubchol Nafshecha, Ubchol Me'odecha. Alors la Gemara a dit, c'est quoi Bechol Levavecha? Be'yetzer Tov ou Be'yetzer Hara? Be'yetzer Tov, Levavecha. On aurait dû dire Bechol, Libcha, Mazel Levavecha. Levavecha, c'est au pluriel, Levavecha. Tu peux dire levavcha, mais pourquoi tu as besoin de dire levavcha? Tu dis libra. Libi, libra, liber, libenu. Pourquoi tu dis levavcha? Alors, Chachamim, ils ont compris qu'il y a deux. Qu'il y a deux peurs quelque part. Donc, ils ont dit yetzer tov, yetzer hara. Rabbi Israël Salanter pose la question, comment on peut servir à Kadosh Baruch Hu avec yetzer hara? Pourquoi on a besoin de servir à Kadosh Baruch Hu avec yetzer hara? Il ne suffit pas yetzer tov pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors il amène les paroles dans Or Israël, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il amène les paroles de Chovot HaLevavot. Chovot HaLevavot dans Shah Avodat HaElohim, il dit que c'est quoi, il définit c'est quoi Yetzer Tov et c'est quoi Yetzer Hara. Il dit Yetzer Tov, c'est le Sechel de l'homme. Le Sechel, le cerveau, pas le cerveau, le... La réflexion. Non, intelligence. Hein? Intelligence. L'intelligence, c'est la chokhma. La perspicacité. Sechel, comment on dit sechel? L'intellect. L'intellect? Non. L'intellect, c'est une connaissance. Moach, c'est cerveau. Donc, comment on peut traduire sechel? Tout ce qui est raisonnement. Raisonnement. Le raisonnement. Oui, peut-être le raisonnement. Raisonnement, c'est higayon. C'est difficile de trouver la définition de sechel. Al-Kopanim. Le Chovot HaLevavot qui dit Sechel, c'est Yetzer HaTov. C'est pur, le Sechel. Le Sechel, il te dit, c'est mauvais. Si tu n'as pas, si tu n'as pas de tendance, de ta'ava, le Sechel, il est là pour te dire, c'est pas bon. La réflexion, peut-être. Réflexion. Ça, c'est Yetzer HaTov, la réflexion. La réflexion active. Oui, mais tu peux avoir une mauvaise réflexion aussi. Je ne sais pas, Marine, c'est intéressant de voir comment on traduit Sechel en français. Le compagnon, il dit le Sechel,
Ça veut dire que le Sechel, il est toujours positif. Toujours positif. Donc il est inscrit très intérieur de nous. Très, très, très intérieur de nous. Et c'est le point de émettre la Amida. Sechel, c'est Da'at, c'est Mbhina Ibiona. C'est la Neshama quelque part. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la Neshama. C'est quoi Yetzirara? Yetzirara, c'est le corps qui tire. Il y a des tendances qu'il aime certaines choses, etc., que les membres du corps essaient de tirer vers quelque chose d'autre. Ça, c'est Yetzirara. Il y a un débat. Le Yetzir Tov, le Sechel, il réagit même pas. Il y a des tendances, il y a les envies qui tirent l'homme vers où il veut faire. Mais quand il veut faire, c'est pas le Sechel qui veut faire, c'est la partie du corps qui veut faire. Cette partie-là, c'est Yetzirara. Le Chovat HaLevavot essaye de faire la dispute entre les deux. Alors il dit, Rabbi Israël, c'est l'interdit. Qu'est-ce qu'on veut de l'homme? On ne veut pas détruire le corps. On veut que tu sers à Kadosh Baruch Hu avec ses tendances. Le Sechel, finalement, c'est au niveau de la tête. Le Yetzara, c'est au niveau des sentiments. Donc ça veut dire du corps. Donc, mais oui, mais ça veut dire que ça fait intervenir des sentiments. Ouais. Donc ça veut dire qu'en réalité, on doit servir à Kadosh Baruch Hu tant avec son cerveau, sa réflexion, comment on peut le définir, que ses sentiments. Ou pas. On doit le servir ensemble, avec tout ensemble en fait. Donner tout pour Akadosh Baruch Hu, essayer d'amener ses envies vers Akadosh Baruch Hu, vers des bonnes choses. Ça, c'est le vrai tikkun du Yetzer Hara. Alors, quand un homme, c'est quoi le grand danger? Le Rav explique, l'imagination, c'est très fort. Le monde de l'imagination, il est très très fort, il est énorme. C'est-à-dire, c'est tellement fort l'imagination que tu peux être assis dans une chambre fermée, tu as des murs devant toi, mais ta tête, elle n'est même pas là. Elle est dans les Alpes, elle est dans le ciel, elle est... C'est très grand, très fort. Et ça a une partie dans le Da'at. Le problème, c'est que quand il y a le Dimayon, il cache le Sechel. Il le couvre et il le trouble complètement, le Dimayon. C'est-à-dire le plus haut niveau, et c'est pour ça d'ailleurs, avec ça on peut comprendre, c'est pas moi qui dis, c'est déjà de Mefarshim, le Maharsha je pense, il dit « Irua Avera, Kashim et Avera ». De penser de faire une Avera, c'est plus dur que la Avera même. Il dit pourquoi? Parce que la Avera même, elle a été faite avec les actions, avec les mains, avec les pieds, avec un membre du corps. La pensée de vouloir faire une Avera dans la tête, du plaisir que la personne va obtenir, c'est beaucoup plus fort. C'est le monde de l'imagination qui trouble le Sechel, qui le rend obscur. Ve'alpi aliyato shel koach hamedame utfisato et hachaim mistalek haor hasichli. Pourquoi? Mipne shechoshev haolam kulo shekol haosher talui bepituho shel koach hamedame. À tel point que l'homme pense que tout dépend que de ça, de cette force de dessin, de cette force d'imagination. Comment on veut créer le monde qui est autour de nous? C'est comme si on avait des moments de lucidité. C'est la lucidité qu'on a à un moment donné quand on voit le monde tel qu'il est. Uh-huh. Et qu'on se fait rattraper par le monde. Et qu'on on est réimpliqué dedans, le monde de l'argent, le monde des actions, le monde des envies. Et avec ces envies-là, on doit servir Hachem aussi, c'est ça? Ben voilà, ça c'est ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est avec tout ce qui souffre. Mais le Dimayon, c'est de se vouloir créer une image, vivre dans quelque chose que le Sechel, il vient même pas te casser la tête. Il vient même pas t'embêter. T'as pas mal, il vient plus te poser des questions. Tu t'es créé un modèle de vie que tu te trouves là-dedans. Et la personne prend la claque quand elle arrive à 70 ans, par exemple. Qu'il a rien fait. Tout d'un coup, on lui ouvre tout et il y a le cercle qui est réveillé. Alors, c'est négatif dans l'absolu, la Dimayon exprimée. Le Dimayon, il est bien pour avoir la force de la Neshama. C'est grand, ça inspire à des grandes choses. Justement, parce que la Neshama, ça c'est la preuve que la Neshama est bien forte et bien puissante. Elle peut amener à beaucoup plus. C'est que l'imagination est extraordinaire. L'imagination peut amener à la névoie, à la prophétie.
Voilà, c'est très très positif. Il n'y a que les âmes qui peuvent avoir. Même l'évolution des sciences aussi, ça. Mais le problème, c'est que quand tu te fais un dessin sans sérel, tu ne fais pas fonctionner ton sérel. Parce que le coup, tu as donné ton éjama, qui te donne le point de émettre. Et tu te fais un dessin imaginaire, et tu essaies d'amener tout, de faire entrer tout dans ce dessin. C'est pas canalisé. T'as une énergie, tu l'envoies pas dans la bonne direction. Oui, il faut. Il y a une base, c'est le sérel, qui doit être dirigé par un peu pour Dimayo. Regardez maintenant ce que le Rav dit. C'est tellement puissant. Tout monte d'escalier comme ça, de niveau. Tout rentre dans cette sorte d'imagination. Regardez. Hamelitim, Hamesaprim, la poésie, les histoires. Adramatorim, la dramaturgie. La dramaturgie. Tous ceux qui font dans les beaux-arts, dans les. Donc, Rimakom, Berosh Atarbut. Ça devient ça. Et ça, c'est tellement fort. Amène à quelqu'un. Aujourd'hui, la littérature. 19e siècle. Même pas 19e siècle. Les années 50. Tu mets devant un film grandiose. Les années 60. Tu es capable de lire? Lis-moi les chants qui ont été écrits à l'époque, la littérature, la façon de voir le monde. Qui regarde les journaux de l'époque. Les nouvelles sexes sans explication, oui, là-dedans. Regarde les choses aujourd'hui. Regarde, tout est différent. Le dessin, le goût de l'homme, comment il change. Parce que le monde entier évolue dans cette idée de rêve, dans cette imagination. Le grand problème de tout cela, c'est quoi? C'est la philosophie. Philosophie, c'est de chercher de la chokhma pure, d'arriver à quelque chose. Mais j'essaie de développer la chokhma. La chokhma, c'est l'homme donné. Donc elle est toujours influencée, elle ne peut pas rester pure, une vraie chokhma. La philosophia, posachat vetzolat, elle boite, elle saute d'un endroit à l'autre. Elle la ma'amad. Tu as aujourd'hui des philosophes genre, comment il s'appelle, BHL. Oui. Tu dirais, BHL, il y a 300 ans, philosophe. Ça ne colle pas ensemble. En tout cas, la philosophie, c'est quand même très ancien. Et c'est quand même c'est des quoi la philosophie sont... philosophes. C'est des gens que le Olam Hazeh n'attrapait pas chez eux, même pas... Déjà des serviteurs des puissants, hein, les philosophes. Déjà. Déjà, hein, toutes l'époque des Lumières, Voltaire et compagnie, ils étaient serviteurs des puissants. Et c'est des gens qui ont certainement, mais des gens qui vivaient là, parce que sinon on vivrait encore. C'est des gens que leurs idées étaient pures, leurs idées regardent la preuve à l'époque. Les gens n'avaient pas autant d'imagination, c'est pour ça que leurs idées ont réussi à influencer autant. Sans des mecs comme ça, on serait où? Ils étaient tellement loin. Je suis pas sûr. Ils n'ont pas créé une. Ça n'a pas eu quelque chose. Même Jésus s'était collé sur quelque chose. La liberté de l'homme. Mais l'idée d'Abraham Avino, par exemple, le monothéisme. Créer le monothéisme dans le monde. Créer l'idée du monothéisme. C'est venu d'une philosophie. Abraham Avino était un très grand philosophe. Il a créé le monothéisme dans le monde. Le fait que tu vois que ce n'est pas tombé, que c'est resté jusqu'à aujourd'hui, tu comprends. Quel est le terrain pur de son idée. Le monde qu'il a voulu se créer, le monde de la façon comment il a traité le monde, comment il a dessiné le monde pour lui. Mais aujourd'hui, tu parles de philosophie, les gens comprennent pas c'est quoi la philosophie. À l'époque, tout le monde parlait de philosophie. Aujourd'hui, quand tu veux rigoler sur quelqu'un, tu dis les philosophes. Ils parlent de philosophie. Quand il t'embête, tu dis arrête de faire de la philosophie. Pourquoi? Maintenant, regardez ça. Kefi siluko shel ha-sechel ve-ruach ha-chokhma. Moins qu'il y ait de sechel, de chokhma, ken chutzpa yisgel ha-chutzpa. Le. Comment on dit la chutzpa? L'orgueil. Non. Non, l'ouïe. La gara, c'est l'orgueil.
Ou c'est pas c'est le... prétention, la prétention. La prétention. Chutzpah Yisgael se devient de plus en plus grande. Et Chokhmat Sofrim Tisrah. La Chokhmat des intelligents, quand ils parlent en rigolant. Ir Echet Imas. Ceux qui ont la crainte d'Akadosh Baruch Hu, ça dégoûte les gens. Ils s'éloignent d'eux. Vaemet Tehen Eideret. Ou Pne Ador. L'image de la génération, comme l'image d'un chien. C'est quoi un chien? On n'a rien contre le chien. Le Maharsha explique c'est quoi Pnei Ador, Pnei Akerev. Il dit le dirigeant, il dit, c'est quoi un chien? Qu'est-ce qu'il fait un chien? Il va avec son maître. Après. Jamais il va derrière le maître. Il veut montrer au maître que c'est lui qui essaie d'arranger, qu'il veut justifier sa nourriture qu'il mange. Donc il court toujours devant. Il montre comme s'il guide son maître, mais tous les pas, ils tournent sa tête pour voir où son maître veut aller, à droite ou à gauche. Ceux qui dirigent la génération, ils tournent leur tête par rapport vers le peuple pour voir où le peuple veut arriver. Il n'y a pas une chokma qui dirige. Il y a la foule qui dirige. Alors, on regarde, qu'est-ce qu'ils font? Le matin, il se lève, il fait un sondage. Faites-moi un sondage sur ça et ça. Tâter le terrain, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Malheureusement, il y a des conseillers partout, même chez les rabbinim aujourd'hui. Même des rabbinim. Ils ne veulent pas se prononcer sur telle et telle question à l'Afrique. Pourquoi tu ne veux pas te prononcer sur cette question à l'Afrique? Parce que ça risque de faire des polémiques. La Torah, c'est émettre la Amita. Quand on vient, on pose un rav da Torah, il est obligé de répondre. L'otagur mipnish, la Torah, elle dit, n'est pas... Mais n'aie pas peur de personne. Aemeten et Ederet. Pourquoi? Pnei Ador qui pnei Akelef. Ceux qui dirigent la génération, on a dit, c'est comme un chien. Il avance devant, mais il tombe pour voir ce qu'on dit derrière. Il ne tire pas son peuple derrière lui. Donc il n'y a pas. La Gemara elle dit plus que ça encore. La Gemara elle dit, quand le berger veut se venger de son troupeau, il met à leur tête la chèvre, la grande chèvre que tout le monde la suit, et lui aveugle les yeux. Et tout le monde tombe derrière elle. Ça peut arriver comme ça. Ah, c'est-à-dire que le berger, il est énervé. Ouais. Quand on a de mauvais dirigeants, c'est que le berger est énervé. Les rabbins. Ota a adinut apnimit. Abba Meruach HaChokma Olechet Venamoga. Cette finesse interne qui vient de la sagesse, elle diminue de moins en moins. Il n'y a pas la finesse. On peut, nous tous, on peut dire que ce qu'on a vu dans la génération de nos parents, nous tous, sans exception, les gens fins, une sorte de finesse qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Nous tous, on peut montrer, on peut dire ça. Et c'est vraiment. Ashiifa de Ruhaniyut ve'atzilut. L'idvekut Elohit. La'olam ha'edion. L'ezoch ha'moussar berum ta'arato. L'etsuyure ha'mouskalot mitzad ha'atzman ve'nitzchiyutam. Na'aset chazon yakar. D'ailleurs, cette semaine, ils ont montré dans le journal, première page dans le journal, je ne sais pas lequel, j'ai oublié, ils ont montré la maison de David Ben-Gurion, à Zde Boker. C'est nous, hein. Par rapport aux maisons des dirigeants, aujourd'hui. Ben-Gurion qui quitte tout, il quitte Tel Aviv. Un homme qui n'est pas religieux, mais qui avait son émet, il vivait selon sa vérité. Qui a compris qu'il y avait Israël, qui a compris c'est quoi la Kiyajvout, qui a tout quitté, un homme de 65 ans, 66 ans, qui va au Negev, se déboquer dans un nouveau kibbutz, il devient membre du kibbutz, il va travailler dans les champs. Et il a une petite caravane. Et quand il y a des ministres, il vient le voir dans la caravane. Il y avait ça. Où on trouve des gens comme ça aujourd'hui?
les gens qui abandonnent. La vie du kibboutz était tellement magnifique, même chez les goyim, ils ont réussi à tenir ça. La première génération, ça a pu tenir le kibboutz. Il n'y a pas plus beau que le kibboutz. Chez les goyim. Hein? Chez les goyim, tu dis. Même chez les juifs, le kibboutz, c'est de donner tout. Ça veut dire que quelqu'un, même s'il travaille beaucoup plus, même s'il est plus intelligent que l'autre, même s'il a eu plus de chance que l'autre dans la vie, il est prêt de partager toute sa fortune, tout ce qu'il a, avec tout le monde, égal. C'est une idée bon, du communisme, quelque part, mais l'idée, le kibboutz, comme il a été fait en Israël, ça a donné une image extraordinaire dans le monde. Le monde entier venait voir. C'est quoi le kibboutz? Ça a pu tenir parce qu'ils avaient des traces de Torah, ils avaient des traces de volonté extraordinaire. La Meshama qui criait, on veut se rapprocher à la catégorie autant que la matière, mais on ne pas tellement de place dans le cœur. Quelqu'un qui est prêt de donner, de partager avec 120, 130 personnes, tout ce qu'il a, il est prêt de donner, il se donne à 100%. Et il se donne, il est prêt de donner. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est loin quand même de la matière. Il est prêt de donner. Il veut avoir son lit, c'est vrai, il veut avoir son oreiller, il veut avoir... Il mange comme tout le monde. Il mange comme tout le monde. C'est ça, l'idée, elle est merveilleuse, l'idée. Elle est extraordinaire. C'est quelque part, c'est se détacher de la matière. Se détacher du matériel, se détacher de moi, moi, moi. Ça m'appartient. C'est ce qu'on fait déjà dans le mariage, non? Le mariage, oui. On dit à la femme, moi je kentai, chacun là-bas. Une fois, mon Roshino m'a raconté que son rave à lui, il était avec lui au Mikveh Arizal à Tzfat. Et quand ils sont arrivés dans le bus, il a cherché ses tefilines, il ne les a pas trouvées. Il a dit, où sont mes tefilines? Où sont mes tefilines? Après tout le chemin, il pleurait depuis Tzfat jusqu'à Jérusalem. Comment ça se fait? Toute ma vie, j'ai jamais dit qu'il y a quelque chose qui m'appartient. Où sont mes tefilines? Il y a quelque chose qui m'appartient dans ce monde. Il pleurait. Quand les gens lui donnaient un livre avec une dédicace pour lui, il déchirait la dédicace et il disait, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Il n'y a rien qui appartient à l'homme. L'Hachem a arrêté son bloc. Et avec, quand tu as cette idée-là de l'Hachem a arrêté son bloc, David Amadek, il a dit, l'Hachem a arrêté son bloc. Tevel ve yoshveba. L'Hachem a arrêté, il a pensé à 100% à arrêter son bloc. Quand tu penses comme ça. Alors la seule envie que tu peux avoir, c'est pas l'argent. Il a éduqué ça à son fils, justement, un enfant de 12 ans qui est tiré comme à la matière. Quand Kadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? La richesse, la chokma, le royaume, il dit la chokma. Kadosh Baruch Hu lui propose. Donne le choix, ce que tu veux. Aujourd'hui, n'importe qui aurait dit l'argent, avec l'argent, je pourrais me procurer un bon professeur. Quand il y a ça, l'envie de la sagesse pure, se donner à 100% pour la chokma. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour de la sagesse te fait réveiller le soir pour aller étudier. On ne trouve plus ça aujourd'hui. Avant, il y avait ça. Il y a de moins, peut-être il y a, un peu. Mais moins, encore. Pourquoi? Parce que l'imagination chez nous, dans nos générations, elle est tellement forte. Ce destin que l'homme dessine, une image, tout le mensonge de l'image, on essaie de te troubler avec tout ce qu'il y a autour de toi, on veut te montrer que tu fais partie de cette photo. Tu fais partie de cette image qu'ils veulent te montrer, toi tu fais partie. Alors tu rentres finalement dans le Guimayon et le Sechel s'en va. Oukfi, Ota Amida Noeget Barolam Bichtalo, ce qui se passe dans le monde se passe aussi dans Israël. Noeget Avar, Bi-Israël, flapé Ruach HaKodesh. Même en Israël, par rapport à la Kedusha, on a abandonné. Avec l'imagination. Ve'avat ha-Torah beruach pnimi ve'ra'anut atzmit shel ha-Yahadut ha-Ne'emana. Ba'olam sholet ruach megushan. Il y a la gashmiyut qui domine le monde entier. Eilach Eretz Shemalkech Nar Vesaraich Bobokir Yochel. Malheur à toi, pays, que ton roi est jeune, enfant,
que tes ministres mangent le matin, ont le temps pour s'asseoir, faire un repas, font des repas. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, vous pouvez ouvrir, c'est très très, c'est magnifique de voir. Depuis 48 jusqu'à 54, 55, même plus tard, il y avait dans les journaux israéliens, dans Davar, dans les journaux de l'époque, tel et tel garçon et telle fille ont fait le mariage, devait avoir 180 invités, ont offert les 180 parts du mariage pour Tzahal et ont fait le mariage à la synagogue avec une bague. Bar mitzvah, au lieu de faire le bar mitzvah, donner tout pour l'hôpital, pour l'armée, pour l'État. Maman, c'était comme ça, c'était la grande. Tous les jours, tu voyais, 10, 15. Dans le journal, vous voyez ça? Hein? Dans quoi? Dans le journal? Dans les journaux de l'époque, oui. Les années 48, vous pouvez voir. C'est magnifique à voir. Ça donne tellement de... Qu'est-ce qui s'est perdu? Qu'est-ce qui est parti? On a causé ou yézod ha'etzah merachok. Ha'etzah ha'shem. Quand on regarde ce niveau de gashmiut où on est tombé aujourd'hui, alors on se dit... Et en fait, pourquoi Kadosh Baruch Hu laisse le monde avec ça? Pourquoi il nous laisse avec cette imagination? L'idée est encore plus profonde. Kadosh Baruch Hu veut nous développer par le Yetzer Hara le plus haut niveau de l'imagination pour savoir qu'est-ce qu'on est capable d'imaginer dans la Kedusha. Jusqu'où tu es prêt d'arriver dans la Kedusha? Le Rav Dessler, il dit par rapport à ça une chose extraordinaire, magnifique. Il dit, la Gemara, quand elle parle de Titit, la Gemara, elle dévoile pourquoi on met le Titit Trelet. Pourquoi on met le Trelet? Il dit, le Trelet, il est dans la mer. Et la mer ressemble au Rakia, aux cieux. Et en haut des cieux, il y a Kadosh Baruch. Donc, c'est-à-dire, quand je vois le tzitzit, ma tête, elle doit faire trois étapes. Mer, cieux, Akadosh Baruch Hu qui est au ciel. Le Rav Dessler, il pose la question, il dit, tu crois que chacun qui va avoir le tzitzit, je lui amène un tzitzit de Breslev, là, le tzitzit de Trelet, ou du Rabbi de Radzin, il va avoir le Trelet tout de suite. Il va se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Je crois que c'est... Il a trois étapes à penser pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Il va se rappeler, chaque fois qu'il va voir le tzitzit, il va se rappeler à Kadosh Baruch Hu. Parce que le tzitzit ressemble à la mer, et la mer ressemble aux cieux, les cieux, au-dessus des cieux. Alors il dit, regarde-toi. Il dit, la Gemara, elle dit, un homme n'a pas le droit de regarder des habits de femme accrochés sur la ficelle pour sécher. Pourquoi? Parce que il voit la vie, il se rappelle de la femme qui porte la vie. Et il peut aller plus loin dans ses pensées. Il dit, c'est le Yetzer Hara, t'amène là-bas. Tu dois avoir forcément, quand tu vois un tzitzit, tu dois avoir le... Il faut former son esprit. Il faut former. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous montre, regarde où tu peux arriver par ton dimayon. Tu t'es construit un monde entier. Rien que pour justifier ton imagination. Parce qu'on a parlé comment même la médecine, tout change selon l'imagination. De la génération, une grande imagination. C'est-à-dire que tu peux faire en réalité, les gens ils se disent, comment je pourrais faire un monde de Torah? Comment on pourrait faire un état entier qui serait dirigé d'après la Torah? Tu as fait selon des idées beaucoup plus tordues, tu as créé des états, et tu as essayé de changer tout par rapport à ton idée. Le communisme qui est tordu à 100% pour tout le monde, aujourd'hui pour la majorité, ils ont fondé sur ça des États. La Chine, avec 1 milliard, 200 milliards de personnes, sur cette idée, qui est complètement... Alors, sur l'idée de la Torah, c'est difficile de faire. Qui est émettre la Amida, le monothéisme qui tient dans le monde, qui a bouleversé le monde, 3500 ans, qui n'a pas changé. Tu ne peux pas diriger un monde, selon ça. C'est ça, Kadosh Baruch Hu, il veut expliquer à la nation entière, à Israël entièrement, vous pouvez vous faire un monde de Kedusha, si vous voulez.
La preuve, regardez jusqu'où vous êtes arrivé avec votre imagination de shtout. Regardez. Omnam, kol zeu yesod etza mirachok, atzat Hashem, hi leashlim et koach hamedame, mipnei shehu basis bari, la ruach ha'elyon, shemofia alav, via la ruach de Ketusha, ruach ha'kodesh qui attend en haut, ומתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, פשקו עם ישראל, סנשמה אלה דג'ל יהיה הקדוש ברוך הוא פרמתן תורה, הוכרח כוח המדמה להתמוגג. לא דימיון היא בטנבה, כלכי פעם, מרן כמזה מונטרה לקפסיטה, הוא אומפה הריבה הרק. מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון שעתיד לבוא על ידי מלכה משיחה. מלך המשיח יבואו ולא דימיון, לא גרנט דימיון. Lui, finalement, il va. Aken Basses Kaet. Rouach Hamedame, entièrement, il se renforce de plus en plus. Hachi Gamer de Chol Tiour. Tous les détails seront là. Et là, avec Az, il y a qui s'est nachon de Shalem, les Rouach Hashem à Elion, les Yurchar le Kabel, au Rouach Hakodesh Alav. Chez au Rouach Hashem, Rouach Chokma Obina. Ruach haetza ugvura, ruach da'at veirat Hashem. Vena'ala. C'est ce que le pasuk qui dit dans Yeshaya. Yeshaya, quand il parle de Melech HaMashiach, il dit Vena'ala, ruach Hashem, ruach chokma, ubina, ruach haetza ugvura, ruach da'at veirat Hashem. Tout ça, tu ne peux pas avoir sans grand dimayon que tu veux mettre à Kadosh Baruch Hu partout. Tu ne peux pas avoir ce grand dimayon si tu n'as pas pris par ton Yetzirara, tu as vu jusqu'où il a pu t'amener. Rien qu'avec ça, tu le renverses vers la Kedusha. Et c'est ce qu'on a dit. Ça, c'est justement la révolte de Kedush Baruch Hu. Bechol, levavcha. Yetzer tov, veyetzera. Ce yetzera qui a amené l'homme vers le dimion, ça même, je vais le prendre. Je vais l'amener vers la Kedusha, vers la Kedusha. Ça, c'est Pesach. Ça, c'est Beretzem. Tout le lien de Pesach, c'est. C'est le Horid Koach Adimyon. Am Israël était en Égypte. 210 ans. 210 ans d'esclavage terrible. Mais d'une peur, le Dimayon, il était tellement fort sur eux qu'il a réussi à rentrer dans leur Neshama. Chaque fois, Nitnarosh Venashova Mitzrayim. Il veut retourner en Égypte. Combien de fois il voulait retourner en Égypte? Tu as souffert tellement en Égypte, qu'est-ce que tu veux retourner là-bas? L'imagination était tellement forte. Quand on disait, ce pays donne, c'est ce pays qui vous donne la santé, l'abri. Même si tu entends des ch'touillottes, finalement, tu es influencé. Le monde entier, c'est Dimayon. Dimayon, tout. Dimayon. Heureusement qu'on a la Torah de ne pas tomber dans ce Dimayon, parce que tu te rappelles de temps en temps que tu es dans un monde de Dimayon. Comme il dit Rabbi Amnon dans le. On est un état qui touche d'ailleurs quand on dit Rosh Hashanah et Kippour. Qui halom yaouf. Quand il dit c'est comme un rêve qui vole. Il y a un des grands. Je ne sais pas si c'est Rabbi Moshe ben Ezra ou Rabbi Abraham ben Ezra ou un de l'époque qui a dit la vie c'est comme un grand rêve. La naissance c'est le début du rêve et la disparition de l'homme c'est la fin du rêve. Un grand rêve. Un rêve. La majorité de notre vie, on est influencé par le Dimayon. Quand quelqu'un se marie avec une femme, qu'est-ce qui fonctionne là-dedans? Le Dimayon. Ils vont pas l'acte du mariage, ils s'imaginent des années qui seront après, ils construisent une idée, une vie. Quand il va investir quelque chose pour faire un travail, qu'est-ce qui fonctionne? Que le Dimayon. Il y a tant et tant de rentrées, il y a tant et tant de personnes qui passent. Tu dessines déjà. Tout ce que tu veux, dessine. Beaucoup de fois, la personne, il n'est pas. La chorma, elle n'est pas du tout là-bas. Alors, il fait des grosses imaginations et finalement, tout tombe dans l'eau. Parce qu'il a laissé. Il s'est laissé guider par son dimion tellement fort, il ne voulait même pas entendre la chorma qui criait, qui essayait de stabiliser quelque chose. C'est ça, le dimion de l'eau. Le problème, c'est quand on rentre dans un monde entier du dimion. On peut le voir, c'est. C'est flagrant comment un peuple entier peut être tiré vers un Dimayon. De là, tu comprends que le Dimayon, il est important.
Il y a une force extraordinaire, le Dimayon. De ramener tout le monde, de dessiner un dessin que les gens ne sont pas du tout là-dedans. Regardez par exemple, regardez les tarifs pour avoir un petit point. Hier je discutais avec, je ne me rappelle pas, moi, avec ma femme, avec elle. On a dit, regarde, quel est le problème de l'État d'Israël aujourd'hui? Le problème de l'État d'Israël, c'est la bombe atomique de l'Iran? Non. C'est le prix du cottage. C'est le prix du lait, c'est le prix de l'essence. C'est cette crise qui a fait sortir 300 000 personnes. Comment on a fait 400 000 personnes. Comment on a fait... Comment Netanyahu, le plus facile pour lui de faire taire cette crise? L'Iran. Il ne peut pas te donner une option pour résoudre le problème. Il n'a pas envie d'investir le budget qu'il a pour le ministère d'Habitat, de le mettre dans le chômage, de le mettre... Il ne veut même pas non plus parler du problème palestinien. Il fait des voyages, il n'arrête pas de parler de l'Iran. Toute la journée, on ne te parle que de l'Iran. Tu rentres après de parler de ton cottage. Dès que tu parles du cottage, on te dit, tu n'as pas honte. Tu sais où Israël se trouve aujourd'hui. Où Israël se trouve. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup. Bon. Maintenant, c'est ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, jusqu'où ça en va, jusqu'où elle est leur droiture, Hachem Yoder. Mais vous pouvez être sûr à 100% qu'ils ont des conseils. N'arrête pas, dis ça aussi. Fais ça. Chaque fois qu'ils voyagent, parlez avec Obama, c'est encore 2 mois, la crise économique qui est partie de côté, ça va, ça peut rester. Ça peut attendre. Et c'est comme ça. Ils vont continuer à parler. Malheureusement, c'est un monde de Dimayon. Un monde entier de Dimayon. Et ça peut investir, ça peut troubler un pays entier. Bon, regardez. Bon. Quand on veut nous parler, il y a des médias qui parlent déjà. Et tout le monde parle que de ça. Quand il avait. La personne n'a pas de quoi manger, il fait en passant. Quand Khaled, il avait craché.